Yo les potes, avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que j'ai un TikTok. Donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, j'ai un TikTok. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok, tout est dans la description. Et également, j'ai un Instagram que je vais vous montrer là encore aussi. N'hésitez pas à me rejoindre parce que je poste des trucs des fois drôles, des fois pas drôles, mais des fois je poste des trucs drôles, tu vois. Donc si je te manque un peu sur YouTube, et bah, des fois je suis sur les autres réseaux sociaux. En ce moment, je suis beaucoup sur TikTok et beaucoup sur Insta. Et j'ai aussi Twitter. Et sur Twitter, bah, je mets des tweets. Par exemple, là, normalement, quand la vidéo sort, bah, normalement, j'ai mis un moment drôle que j'ai eu sur PUBG, tu vois, en Battle Royale. Tu vois, j'ai un Twitter aussi, des fois, tu peux t'abonner, des fois, tu peux me retrouver là-bas. Donc, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui oublient, voilà. Enfin, voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'était mon petit moment pub, tu vois, j'ai fait ma petite pub personnelle. Voilà, allez, bon visionnage. Eh bien, salut à tous et à toutes ces petites règles. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo découverte. Ouais, je sais, la quarantaine, là, ça me réussit pas. Je traîne trop sur le Play Store et du coup, je tombe sur des nouveaux jeux. Mais c'est pour laquelle j'ai une chaîne YouTube. C'est pour vous présenter des jeux mobiles sur YouTube. Voilà, je savais bien qu'il me manquait un mot dans ma phrase. Et aujourd'hui, les amis, je vous présente ce mini-jeu, Edentour.io. C'est un jeu en You et aussi en Battle Royale. Et toi, pourquoi tu me regardes? On se tape des barres, dis donc! Donc, les amis, si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, bien sûr, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et également ce que j'aime bien vous lire. Donc, les amis, on est directement dans l'interface de Edentour, et comme vous pouvez le remarquer, c'est très très simple, c'est épuré, mais je trouve que graphiquement, c'est original, et moi j'aime bien. Donc, on va faire le petit tour rapidement. En haut à gauche, vous avez différents paramètres, c'est-à-dire vous pouvez annuler ou activer le retour d'écran, c'est-à-dire que si vous retournez votre écran, bah, votre écran ne bougera pas. Vous pouvez couper le son, vous pouvez le remettre, vous pouvez vous rename autant de fois que vous voulez, bien sûr. Donc voilà, juste en dessous, vous avez les différentes offres. Par exemple, là, à 3,49€, vous avez un personnage. On va continuer en haut. En haut à droite, vous avez mon grade. Par exemple, là, je suis grade 6. Et vous avez les caractéristiques. C'est-à-dire, c'est votre personnage actuel quand il va en game. C'est-à-dire que le mien, il a 100 de santé. Il va à une vitesse de 5,0. Il fait des dégâts de 45 et vitesse d'attaque 1. Bien sûr, j'ai pas encore de chance critique. J'ai pas de vampirisme. J'ai pas de chance de saignement. J'ai pas de chance d'esquive. Et j'ai pas de régénération. Enfin, si j'en ai, mais c'est de 3 PV par seconde seulement. Voilà, donc ça, vous pouvez l'augmenter. Vous avez différentes missions quotidiennes chaque jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes missions aujourd'hui. Également, pas pris de personnage pour le moment. C'est ce qu'on va faire ensemble. Vous pouvez, pour avoir des pièces, jouer, gagner des pièces, et vous pouvez également visionner des vidéos pour gagner des pièces. 300 pièces avec une vidéo, croyez-moi, c'est très rentable, donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez améliorer votre personnage. Je sais pas encore lequel prendre, surtout qu'en plus, regardez. Ceux-là, faut les débloquer. Pff, oh là là, celui-là est tellement beau. Le squelette, là. Rasta squelette. Donc lequel je pourrais prendre, je m'en prendrais bien un. En vrai, je me tâte à prendre celui-là. Il me fait beaucoup penser au marchand blanc dans Game of Thrones. Mais je vais peur de regretter, vous voyez ce que je veux dire. Soit je reste en classique et j'augmente celui-là, soit j'en prends un. Non, vous savez quoi, si la vidéo vous plaît, bien sûr, d'abord je vais augmenter celui-là. Et si la vidéo vous plaît, je referai une vidéo et je prendrai un autre personnage. On va faire ça comme ça. Allez, je vais l'améliorer. Bon, je vais l'améliorer autant de fois que je peux, hein, bien sûr. Voilà, parfait. Il est au maximum. Du coup, il va me rester 300 pièces. Vous pouvez également améliorer votre arme. Donc là, c'est ce que je vais faire. Bien sûr, vous avez différentes armes, hein. Vous pouvez carrément customiser votre personnage. Mais là c'est pas ce que je vais faire. Pour l'instant je vais augmenter celle-là, là je peux plus. Et là bien sûr vous avez les différentes offres du shop, c'est-à-dire prendre des pièces, prendre un sac de pièces, prendre un coffre de pièces. Vous avez le pack de démarrage, vous avez la terreur des mers, vous avez la lance du champion et vous avez des activations des pubs. Oui, parce que bien sûr, lorsque vous perdez, vous avez potentiellement une pub que vous pouvez quitter au bout de 3 secondes ou au bout de 20 secondes. C'est un petit défaut, mais ça permet d'avoir un jeu gratuit. Donc on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire le mode de jeu, la partie, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc vous avez deux types de matchs, c'est-à-dire le Dead Match et le Battle Royale. Dans le Dead Match, c'est un mode .io, c'est-à-dire que ça recommence, 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 recommence. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, tant que vous restez en vie. Le but, c'est de ramasser des caisses, tuer des personnages, monter en XP, monter vos expériences, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les caractéristiques que vous voulez améliorer sur votre personnage, et ensuite faire des kills, faire un maximum de kills pour gagner un maximum d'XP. Et vous avez le mode Battle Royale, c'est pareil que le Deathmatch, sauf que bien sûr, la zone, elle se rétrécit.
Allez, on va tout partir en dead match et après en battle royale. Petite précision pour ceux qui s'attendent à directement faire du battle royale, il faut déjà d'abord passer grade 5 avant de faire du battle royale. Voilà, petit clin d'œil à Urbex, hein, parce que j'ai galéré à passer grade 5. Bien sûr, pour le moment, il n'y a pas de mode multijoueur, vous pouvez pas jouer avec vos potes. C'était un petit défaut, mais j'attends que ce jeu évolue un peu plus pour vous présenter cela, si ça arrive, bien sûr, si ça arrive. Allez, c'est direct, c'est parti, on va directement en dead match. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert la caisse, je vais en ouvrir une deuxième, je vais passer niveau 2, et il va me proposer d'améliorer. Donc là, j'ai le choix entre Acid Cloud, la flèche, la lance, et moi je prends souvent le gaz, ça fait des dégâts de zone. Ok, je l'ai tué. Je vais pouvoir reposer ma zone. Ok, toi. Ok, donc là il me propose soit d'augmenter les PV, soit d'augmenter la vitesse de déplacement, soit d'augmenter les dégâts. Personnellement, je préfère augmenter les PV un peu au début, parce que ça vous laisse plus le temps de pouvoir tuer vos ennemis. Donc parfait. Aïe, 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 aïe. C'est pas le moment de mourir. Ouh, let's go. Donc là je suis niveau 3. Je vais peut-être passer niveau 4 dans pas longtemps. Si je meurs pas, bien sûr. Et bien si je meurs pas. Donc là comme vous pouvez le voir, il me propose de regarder une vidéo, donc je vais la regarder et on se retrouve juste après. Ok, donc du coup comme vous l'avez constaté, regarder une vidéo, il vous propose une seule fois, ça permet de revenir au moins une deuxième fois dans la partie sans perdre l'avancement que vous avez pu faire. Alors moi, mon maximum que j'ai fait de kill, c'est 19. J'ai pas fait, je trouve que c'est beaucoup, mais je trouve que c'est pas beaucoup à la fois. J'aimerais bien avoir une autre. Non, c'est bon, je l'ai, parfait. Donc là il me propose, moi je vais prendre ça. Mettre la zone. Donc voilà, là il vous propose différents items sur ces carrés noirs. Donc ça peut être du heal comme d'autres trucs. Mais c'est temporaire, c'est-à-dire c'est pas éternel. Vous l'avez juste un moment. Donc là voilà, il me propose la vitesse, je vais le prendre. Je peux aller plus vite, je peux fuir. Donc on pouvait voir, hein, je régénère sans même ramasser du heal. Parfait. Bien sûr, hein, quand vous tuez les ennemis, vous ramassez leur heal. Qu'est-ce qui va spawn là? Encore une fois la vitesse, ok. C'est un carnage le bordel, c'est un carnage. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Je vais ouvrir la caisse. Non, laisse-moi tranquille. Ok, donc là j'ai fait un total de 10 kills. J'ai fait 1859 de dégâts, j'ai ouvert 3 caisses et du coup je récupère 150 XP et je récupère également 370 de pièces d'or. Bien sûr, vous pouvez doubler vos récompenses en regardant une vidéo, donc c'est ce que je vais faire et on se retrouve bien sûr encore une fois après la vidéo. Donc voilà, j'ai doublé mes récompenses, donc du coup je passe à 740 de pièces et 300 d'XP. Bien sûr, vous pouvez redémarrer la partie sans passer par le lobby, mais moi je quitte la partie pour ensuite partir en battle royale. C'est parti, let's go. Ok, donc là nous sommes directement en battle royale. Alors ça se présente sous la même forme, c'est à dire caisse, kill, XP, pouvoir, mais bien sûr la zone se rétrécit, mon frère. Eh ouais, alors il y a des caisses. Donc là qu'est-ce qu'il va me proposer? Je vais prendre encore une fois le heal. Hein. Je vais prendre encore une fois le heal. J'ai pas eu le kill. Aïe 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 aïe. Oh oh oh. Hop là. Hop. Oh toi t'as moi. Oh toi t'as moi. Non. C'est bon, je t'ai eu. Ok. Par contre, il n'y a pas de carte, donc vous pouvez pas savoir où est-ce que vous vous situez et où est-ce que la zone se referme. Normalement, la zone doit se refermer symétriquement, c'est-à-dire elle doit vraiment aller au milieu. Là, je vais prendre l'augmentation des coups, bien sûr. Attends. Ok, parfait. Il y a la zone qui se referme. Oh, c'est déjà 2 contre 1. Ok.
Domination. Bon, cette game, elle suffit vraiment à être très brave. Du coup, je passe grade 7. Du coup, je débloque une arme et un skin. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir encore une fois doubler vos récompenses. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on se retrouve juste après la vidéo, encore une fois. Ok, donc là, on se retrouve après la vidéo. J'ai encore doublé mes récompenses. Donc voilà, le mode Battle Royale, c'est un mode très rapide. Donc je vais pas m'arrêter là pour cette vidéo, on va tout de suite repartir en mode classique. Et je vais essayer de faire un maximum de... Ok, donc c'est parti. Allez, je vais changer, je vais prendre ça. Ça va me permettre de m'échapper. Ah oui, ok, d'accord. Quand je fonce dans les ennemis, ça les stone. Ok, donc ça peut être bien également pour attaquer ou contre-attaquer. Oula, j'ai volé des kills. Alors là, je vais prendre chance d'infligence enseignement. Je sais pas à quoi ça correspond. Je vais choisir ça. Oh, lui, il a 200 d'XP quand même. Ah bah, ok. Il est plus là. Mais il m'a volé le kill! Aïe aïe aïe! Allez, je vais prendre la caisse qui est au-dessus. Parfait, un kill, je passe niveau 4. Bien sûr, hein, si je meurs pas. Ok, j'ai pu m'enfuir. Il va me voler le kill. Mais non! Wouh! Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre le Bleeding Shot. Ça, normalement, c'est une lance que j'ai délancée autour de moi. Enfin, il y a plusieurs lances. Ça fait une sorte de spike pour ceux qui connaissent Brawl Stars. Son gadget. Ça fait à peu près dans le même style. Regardez. Ah non! Ah non! Autant pour moi. Je me suis trompé. C'est vraiment une lance. Je me suis trompé avec un autre. C'est-à-dire qu'il y en a un autre. Il y en a deux différents. Parce qu'il y en a un autre où ça fait pareil, mais les lances vont dans tous les sens. Non, j'ai pas envie de mourir. Ah, allez, je regarde la vidéo. Ok, donc là, je retourne directement en game. Après avoir fait la vidéo. Ah non, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Laissez-moi tranquille. Aïe, 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 je pars, je pars. Non, 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 non. J'ai pris un poison. J'ai pris un poison. Oula, 2 PV. Seulement 2 PV pour les joueurs croisés. Alors, on va essayer de régénérer tranquillement. Ah mais c'est ça en fait que je lance. C'est la lance empoisonnée en fait. Ah ouais. Ah ouais. Trop stylé. Aïe aïe aïe. Lui il a un bouclier. Je vais prendre des dégâts multipliés par 2. J'ai envie de partir s'il vous plaît, laissez-moi partir, merci. Il y a un coffre là-haut, je vais me le prendre. Ah mais attendez, je suis déjà niveau 5, hein. Je m'en rends pas compte mais... Par contre lui, 321 PV là... Ah là 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 là, j'espérais au moins faire 19 kills. Bon, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc du coup, si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puisque du coup, je referai une vidéo où je pourrais potentiellement acheter des armes surpuissantes, si tu vois ce que je veux dire. Comme des personnages aussi surpuissants, si tu vois ce que je veux dire.
Du coup, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus et à me dire en commentaire ce que vous en pensez après avoir vu du coup cette vidéo ou après l'avoir essayé, bien sûr. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur des jeux mobiles, bien sûr. C'était Psystrag, allez, wouh! Attends, j'ai oublié de dire un truc. Hey, je te souhaite une bonne fin de journée. Oui, une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psystrag. Allez, wouh! Bye bye!